is a representation of the cell of Nelson Mandela. It's not a reconstruction, it's a representation almost like a sculpture. And if you go around the other side, you'll walk into it and feel the size that Nelson Mandela had to live in for nearly 18 years. I recently had to go and measure the cell up, and they locked me in that cell for an hour. And it was too much after an hour. Can you imagine for 18 years? But if you'd like to come and step inside, sir, you'll just get a sense of the space which was his cell. You can enter if you wish. The exhibition is only on for about 4 weeks. Je suis très heureux d'accueillir à l'Hôtel de Ville de Paris cette exposition. Nous venons de la parcourir très rapidement. Mais j'espère que des centaines de milliers de Parisiens viendront pendant ces 6-7 semaines la voir. L'accès sera évidemment gratuit. Et je veux dire à quel point on y ressent toute l'histoire de l'humanité finalement. Et je me dis, cher jeune homme, arrière-petit-fils de Nelson Mandela, quand vous remettrez de notre part à votre arrière-grand-père ce diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Paris, dites-lui non seulement notre admiration, notre gratitude, mais plus encore comment l'idée même d'en faire un citoyen d'honneur de Paris nous paraît, nous honorer. Cet homme est l'honneur de l'humanité. Et pour ce qu'il est, pour l'affection qu'il nous inspire, finalement, il n'y a rien de mieux qu'aimer. Et c'est peut-être cela le plus beau message de Nelson Mandela. Et ce qui est proprement extraordinaire, et Bertrand l'a très bien dit, et très bien retracé dans cette exposition, c'est que c'est le même qui a été l'homme du combat et l'homme de la réconciliation. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il savait qu'il n'y aurait pas d'unité possible s'il n'y avait pas d'abord le combat. Mais au moment même où il menait le combat, il pensait à la réconciliation ensuite. Et il me semble que c'est cela qui rend la vie d'Nelson Mandela totalement extraordinaire. Et qui doit nous faire réfléchir, parce qu'il y a beaucoup d'autres situations où la réconciliation n'est possible que parce qu'il y a un combat, mais où le sens du combat, c'est de préparer la réconciliation. Je pense que c'est ça le grand mérite de cette exposition, et c'est ça le sens de l'amitié désormais indestructible entre l'Afrique du Sud et la France. Alors, il est dit sur l'affiche les saisons d'Afrique du Sud, mais désormais, entre l'Afrique du Sud et la France, il n'y a plus de saisons, c'est pour toutes les saisons. Je pense que c'est ça le symbole de ce que nous avons voulu faire, les uns et les autres. Et en français, je souhaite longue vie à l'amitié entre peuple sud-africain et le peuple français.